Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Aujourd'hui, on va prier pour les célibataires. Alors, je sais que souvent, on nous dit, mais on prie tout le temps pour les couples, pour les gens mariés. Ben, aujourd'hui, c'est votre jour, gloire à Dieu. J'ai la grâce de recevoir donc, toujours le couple Dufour, Eric et Rachel Dufour. Bienvenue encore dans Prière inspirée. Merci, bonjour à tous. Vous avez un ministère donc, aux États-Unis, entre autres pour, voilà, au niveau de la sexualité, de ce grand sujet, ce grand domaine. Et alors, on parle aujourd'hui de sexualité et célibat. Les gens se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous laisser nous en parler, du coup, comment les deux vont ensemble. C'est vrai ce que tu dis. En général, ce sont deux mots qu'on ne met pas du tout ensemble. Célibataire et sexualité, les deux ne vont pas ensemble. Donc, c'est comme si la sexualité ne devait être découverte qu'une fois mariée. Alors, c'est vrai au côté pratique, bien entendu, mais aussi, les célibataires sont des êtres sexués. Et donc, avec un corps qui fonctionne, on peut leur souhaiter, et donc une sexualité qui est naturelle, qui est voulue par Dieu, qui est là, présente, latente, et qui ne va pas d'un seul coup se révéler, se découvrir après le mariage. Il faut que ce soit préparé bien en amont, en fait. Mmh. Et donc, on voudrait parler de ça aujourd'hui. Les célibataires, on vous aime, vous êtes des êtres magnifiques. et oui, c'est bien de parler de sexualité avec ceux qui sont célibataires. Voilà, ça c'est une grande clé, en fait, qu'Éric, tu viens de nous donner. Nous sommes tous des êtres sexués. Dès la naissance, on est garçon ou fille, et notre sexualité se forme et grandit tout au long de notre vie. Et malheureusement, trop souvent, dans le milieu chrétien, on a rendu ce sujet-là comme un tabou pour les célibataires, et on se retrouve à gérer après des célibataires ou des mariés d'ailleurs, qui dans leur saison de célibat, se sont retrouvés à verrouiller leur sexualité. Pour ne pas avoir à la gérer, on l'éteint, on l'étouffe, on fait comme si elle n'existait pas, on l'ignore et après ça fait des catastrophes. Donc on va prier avec vous pour cela, on va en parler. Quand on est des êtres sexués, on a une sexualité qui n'est pas active mais qui est présente et qui est là. Et en fait, Dieu ne nous a pas piégés. C'est vrai que la pratique de la sexualité est réservée pour le mariage, mais il ne nous a pas piégés en disant les célibataires, vous vous débrouillez maintenant, vous gérez ça comme vous voulez, débrouillez-vous, on n'en parle pas. Quand on est célibataire, quand on est une femme, on a un cycle, qu'on soit marié ou pas, et à peu près au milieu du cycle, il y a l'ovulation et le corps a des hormones et réagit, et on ressent des choses et qu'est-ce qu'on fait avec? Encore une fois, Dieu ne nous a pas piégés. On peut canaliser, voilà un autre mot-clé. Oui. Nous sommes des êtres sexués qui pouvons canaliser notre énergie sexuelle dans le côté physique. Alors, une manière intéressante, Rachel vient de parler du cycle de la femme qui est de 28 jours. Oui, oui. Alors, peut-être que ça va être une nouvelle pour certains, mais le cycle de l'homme est de 72 heures, ce qui est beaucoup plus rapide. Marié ou non, hein. Marié ou non. Donc, en fait, 3 jours contre 28, ça fait une grosse différence. Ça explique plein de choses. Et sans vouloir choquer personne, mais tous les 3 jours, les testicules de l'homme arrivent à pleine capacité de spermatozoïdes et qu'il y ait un rapport sexuel ou pas. Et dans le cas des célibataires, il n'y en a pas. Mais en fait, le corps va détruire ses spermatozoïdes et les recréer un complète pour au bout de 3 jours pour être prêt au cas où. C'est puissant. Voilà, et donc quand il n'y a pas, il faut évidemment, le corps n'arrête pas de fonctionner parce qu'on n'est pas marié. Le corps, et c'est merci Seigneur, le corps fonctionne bien. Et donc tous les 3 jours, un jeune homme ou un homme tout simplement va se retrouver face à une envie de sexualité qui est légitime, qui est belle, qui n'est pas un péché. Ce qu'on va en faire pourrait devenir un péché si on choisit de pratiquer en dehors du mariage, mais le fait d'avoir le désir n'est pas un péché en soi. Par contre, que faire avec, c'est ça qui est important et dont il faut parler sans tabou. Donc, canaliser pour les hommes, ça ressemble à quoi? Alors, pour les hommes, ça ressemble notamment à une chose, mais le corps, la sexualité est basée sur le corps, évidemment. Et on l'a déjà dit, elle est d'abord spirituelle, émotionnelle. Et le véhicule de la sexualité est notre corps. Donc, pour des garçons, mais ça va être entre autres de faire du sport. Et particulièrement, alors ça va peut-être faire sourire certains de nos auditeurs, mais les garçons, messieurs, si vous travaillez à faire des pompes ou des tractions, c'est-à-dire que vous travaillez vos épaules et vos pectoraux, alors d'une, vous allez vraiment être beau et être bien musclé, développé, etc. Mais pendant qu'on fait des pompes et des tractions, quand on travaille cette partie haute du corps, ça libère dans le corps des toutes sortes de cocktails hormonaux qui ne sont pas complètement similaires, mais à peu près similaires à ceux qui sont relâchés dans un acte sexuel et qui vont permettre d'évacuer, de faire partir cette pulsion, cette tension qu'il peut y avoir quand on est un jeune homme et qu'on a envie d'un rapport mais qu'on ne peut pas avoir parce qu'on n'est pas marié. Et pour les filles, ça va être tout ce qui est artistique au niveau de la danse et de la musique, musique de louange ou de la
musique qui bouge en fait, et tout ce qui va être danse, gymnastique, etc., va apporter la même satisfaction et au niveau du corps, au niveau de l'âme aussi. Donc ce sont des bonnes clés pour les célibataires, canaliser l'énergie sexuelle en énergie physique. Mmh. Donc en fait, la première étape du temps de prière aujourd'hui, je voudrais qu'on prie pour que l'image de la sexualité soit rétablie dans le cœur des célibataires, et qu'elle soit vue comme belle et non pas comme une condamnation pour eux et vous êtes punis, mais comme quelque chose de beau qu'ils protègent et qu'ils peuvent canaliser. C'est une énergie qu'ils peuvent utiliser au niveau physique et aussi pour louer Dieu et adorer Dieu en choisissant d'être continent, c'est-à-dire de ne pas pratiquer la sexualité pour Dieu. Donc on va prier avec vous pour ça. Mmh. Pour que cette image soit bien claire dans votre tête. Donc la question finalement, c'est pas forcément quand je vais pouvoir le faire, mais c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça aille bien. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour canaliser cette énergie? Qu'elle honore Dieu, qu'on soit marié ou pas. Et donc pour les célibataires, il y a moyen d'honorer Dieu avec notre sexualité. En tout cas, je trouve ça vraiment très intéressant parce que même le chrétien, dans sa vie personnelle, marié, pas marié, célibataire, femme ou homme, très peu de gens prient par rapport à leur sexualité. Oui. Même si des fois certains vivent des grands combats, des célibataires vivent des combats, ils ont des pulsions, ils ont des désirs, ils ont toutes sortes de questions, que ça aille jusque dans l'intimité de la prière, c'est rare en fait. Bien sûr. Alors, quelle belle opportunité aujourd'hui pour tous de pouvoir prier par rapport à ça. Seigneur, merci, parce que la sexualité, c'est un cadeau que tu nous as fait. C'est extraordinaire de pouvoir avoir accès à cette fusion avec toi, à cette union avec toi, au travers de ce cadeau. Merci pour les célibataires, parce que tu les as créés, des êtres sexués, tu leur as donné un genre, tu leur as donné une sexualité qu'ils ont choisi aujourd'hui de te consacrer. Seigneur, nous prions pour que l'image qu'ils ont de la sexualité soit la tienne. Seigneur, qu'ils puissent prendre du temps avec toi pour revisiter comment est-ce qu'ils ont compris la sexualité, où est-ce qu'ils ont appris, ce qui s'est passé. Seigneur, tu leur parles intimement. Oui. Tu es leur époux aujourd'hui quand ils sont célibataires. Tu es leur époux de l'instant. Et Seigneur, nous prions pour que tu viennes les aider à mettre les mots avec toi sur leur sexualité, qu'ils te la remettent, qu'ils te la donnent, que leur saison de célibat ne soit pas vécue comme une abstinence et une condamnation, mais comme une continence vraiment, qu'ils soient dédiés à toi à ce niveau-là. Seigneur, nous t'en prions pour que tu viennes aussi les aider au niveau physique, tu les aides à ne pas éteindre leur sexualité, mais à la canaliser. Seigneur, tu leur donnes des idées, tu leur donnes des clés, tu bénis leur corps pour qu'ils ressentent ce soulagement dont ils ont besoin au niveau physique aussi. Seigneur, merci de venir bénir cet homme et cette femme qui sont là et qui t'aiment de tout leur cœur et qui ont besoin de toi au niveau de leur sexualité. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Je veux te prier pour tous les hommes, hommes, les jeunes hommes, adolescents, quel que soit leur âge, qui sont célibataires, et les hommes moins jeunes aussi, qui sont célibataires, je te prie pour que tu les bénisses. On vient de le dire de manière humoristique, mais c'est la vérité biologique de notre corps. L'homme a un cycle beaucoup plus court, et donc des pulsions, des désirs au niveau de sa sexualité, qui sont fréquents. Mais encore une fois, comme on l'a dit, ce n'est pas une malédiction. Et je te prie vraiment pour que les hommes retrouvent le sens d'une dignité avec leur sexualité. Ce n'est pas une malédiction. C'est vraiment quelque chose que tu as donné à l'homme aussi comme une force pour vivre. Je te prie pour qu'il y ait vraiment une compréhension que cette sexualité peut s'exprimer d'une manière qui t'honore, qui te glorifie. Et comme on l'a dit déjà, qui va être... Jésus. Tourner vers un acte de sport, vers des tractions, des pompes, et qui va être canalisé et non pas vécu comme une punition ou comme une malédiction qui revient à répétition dans les pensées, dans le cœur, et dont on ne peut pas se détacher. J'ai juste pris vraiment pour qu'il y ait une compréhension de ce que c'est et de ce que tu veux faire avec, qu'il y ait une glorification, qu'on puisse te dire merci Seigneur pour notre corps qui fonctionne, mais aussi le désir que chaque célibataire puisse t'honorer au travers de cela et qu'on comprenne ce que tu veux nous faire vivre avec cela. C'est une énergie que tu nous donnes, et si elle ne peut pas s'exprimer parce que nous ne sommes pas mariés, ce n'est pas une condamnation. On veut vraiment apprendre à vivre avec, apprendre à la traduire en exercice physique, et puis te glorifier simplement pour ce que tu as fait en nous, Jésus. Merci pour ce message d'espoir, que ceux qui se sentent piégés avec leur sexualité puissent vraiment, aujourd'hui encore, trouver un message d'espérance, une délivrance au travers de ce qu'on peut apporter, au travers de la prière que l'on est en train de faire monter vers toi, Jésus.
Amen. Seigneur, merci de bénir les femmes célibataires. Seigneur, tu sais à quel point les femmes ont tendance à vouloir donner des morceaux de leur corps pour se sentir aimées. Alors, je te prie de les aider à se sentir aimées et belles sans avoir besoin de passer par là. Tu leur donnes des personnes dans leur vie qui vont savoir remplir ces besoins de mots et de contact du toucher qui va être non sexuel. Seigneur, tu leur donnes de pouvoir se voir belles dans tes yeux et non pas au travers de la sexualité qu'elles donneraient comme ça pour pouvoir recevoir de l'amour. Donne-leur d'être satisfaites et comblées par ton amour, Seigneur, et qu'elles puissent avoir des rendez-vous avec toi qui vont être tellement précieux, tellement spéciaux. Tu aimes les célibataires d'une façon toute particulière parce qu'ils ont du temps à te consacrer, ils ont du temps de façon spéciale à dédier avec toi. Alors Seigneur, tu les combles dans leur être tout entier et dans le besoin de retour qu'elles ont aussi pour ces femmes de se sentir belles, qu'elles se sentent belles à tes yeux, Seigneur. Amen. 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 C'est vrai que canaliser la sexualité, c'est important. Et peut-être que vous êtes en train de vous dire, ah, c'est bien beau ce qu'ils disent, mais moi, je suis piégée avec ma sexualité. Je me retrouve dans des habitudes que je cherche à combattre, des habitudes liées à des addictions qui se mettent en place, peut-être des façons de compenser, qui en fait n'honorent peut-être pas Dieu. Et c'est vrai que c'est un combat réel aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'est pas le fait que des hommes, c'est principalement les hommes, mais la pornographie est quelque chose qui malheureusement habite la vie de beaucoup de célibataires, et pas que de célibataires d'ailleurs, la vie aussi d'hommes et de femmes mariés. Et je voudrais simplement qu'on ne va pas pouvoir en traiter beaucoup, mais simplement donner quelques clés. S'il y en a parmi vous qui êtes prisonniers de ce problème, je pense que d'abord, il faut le reconnaître. J'ai un problème avec ça et je me suis habitué à voir. Les hommes ont besoin d'avoir une banque d'images qui soit, quand ils sont mariés, qui soit uniquement remplie avec le corps de leur femme. Notre sexualité pour l'homme passe par ce que l'on voit beaucoup, plus que par ce qu'on entend, ce qui est plus le cas pour les dames. Et donc, évidemment, il y a un piège évident qui est la pornographie. La première chose, donc, c'est réaliser qu'on a un problème et essayer de trouver quelqu'un en qui on a confiance et avec qui on va pouvoir en parler. Vouloir combattre seul la pornographie, c'est souvent être voué à l'échec dans son combat. Donc essayez de trouver quelqu'un que vous regardez, non pas un ami simplement qui va avoir le même problème que vous, mais quelqu'un vraiment que vous regardez comme supérieur à vous dans sa marche avec Christ, peut-être parce que plus d'années d'ancienneté, plus en avance. Plus en avance, et qui va être un partenaire de redevabilité. Alors ça veut dire quoi? Simplement, vous allez autoriser cette personne à vous poser les questions difficiles, une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, mais périodiquement, vous savez que vous allez devoir dire la vérité et vous vous y engagez. Et c'est important que vous ayez des contacts réguliers et puis de pouvoir appeler cette personne quand on se sent tenté. La tentation, ce n'est pas un péché en soi. La tentation, souvent, comme on l'a dit pendant la prière, c'est j'ai un désir qui est légitime. Ce que je fais avec ce désir, soit peut être bon, je le canalise vers un acte physique, par exemple, comme je fais du sport, et cette énergie, je la mets dans le sport, soit bien... Je regarde par exemple quelque chose comme de la pornographie et là, ça devient un péché. Parce que je fais entrer dans ma vie, dans ma sexualité, des gens qui n'ont rien à y faire. Et donc, en parler avec quelqu'un, c'est la première règle. La deuxième, je dirais, c'est connaissez-vous vous-même. Est-ce que vous avez des préconditions, vous savez que chaque fois que ces préconditions sont réunies, vous allez être tenté et ça risque de mal tourner. Quand vous êtes seul, quand vous ne vous sentez pas bien du tout, ou bien alors quand vous avez envie de partager quelque chose de très fort que vous avez vécu, ce sont juste des exemples, mais sachez reconnaître que ces situations peuvent vous mettre en danger. Puis après, rapidement, ce qu'on appelle le off-on. Off, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'éloigner de la source de danger. Est-ce qu'il faut plier votre ordinateur, rangez-le, débranchez-le, débrancher la télé si vous êtes dans une chambre d'hôtel tout seul? Il y a d'autres choses, mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en aller de la source de tentation? Il faut que vous soyez prêt avant. Ce n'est pas quand ça arrive, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire. Donc, préparez votre plan de bataille et puis jouez selon les règles que vous avez établies quand vous sentez que le moment vient. Mettez ça en pratique. Mais si on s'arrête là, ce n'est pas suffisant. Après, il faut le « on ». Qu'est-ce que je vais faire qui va amener une réponse légitime à ce besoin? Alors, on l'a dit, faire du sport déjà, des pompes et des tractions, entre autres, mais aussi louer Dieu. Si vous êtes un musicien, bien, prenez un instrument de musique, sauf s'il est tard dans un hôtel, prenez pas la batterie ou la guitare électrique, mais louez Dieu avec votre voix, appelez le partenaire de redevabilité. Si vous êtes un artiste, bien peut-être écrivez, faites quelque chose qui va vous permettre d'exprimer ce besoin, mais d'une manière qui soit saine, légitime,
et qui va tourner le désir sexuel en quelque chose qui va vous construire et non pas vous détruire. Donc, connaître les préconditions, et quand elles commencent à clignoter, sachez que vous êtes en danger. Off, qu'est-ce que je fais pour m'en éloigner? On, qu'est-ce que je fais pour répondre aux besoins, mais d'une manière qui soit saine et qui glorifie Dieu. Donc en fait, il y a beaucoup d'espoir ici. L'un d'entre vous est en train d'avoir à gérer un problème lié à la pornographie, masturbation, ou tout ce qui peut aller avec, en tant que célibataire, il y a de l'espoir pour s'en sortir. Et nous, on veut proclamer, encore une fois, un jour de délivrance aujourd'hui. Amen. Pour ça. On va prier pour vous, pour que vous puissiez démarrer ce chemin, que vous receviez de Dieu cette délivrance. Peut-être que des célibataires, des fois, se disent « Ah, mais ça, quand je serai mariée, ça s'arrangera. Mm-hmm. » Non, c'est pas vrai. Ça s'arrange pas tout seul simplement parce qu'on est marié. Voilà un bon problème à gérer maintenant, tant que vous êtes célibataire, parce que de toute façon, le mariage n'est pas la solution. Ça ne viendra pas guérir cette situation. C'est vrai. Votre sexualité, elle doit être rachetée, guérie aujourd'hui. N'attendez pas en ayant l'espoir d'un jour, peut-être que. C'est aujourd'hui que Dieu veut le gérer avec toi. C'est aujourd'hui que Dieu veut guérir et ramener, en fait, le côté beau, la sexualité qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. En prier. Oui, mais j'aimerais prier pour vraiment que ce soit un jour de délivrance pour ceux et celles qui sont prisonniers d'une addiction. Mmh. Qui touche à la sexualité. C'est un tabou, une fois de plus, dont beaucoup de personnes dans l'Église sont affectées par ça, et on a beaucoup de difficultés à en parler. Et je voudrais qu'aujourd'hui, eh bien, on puisse prier pour vous, et que le Saint-Esprit puisse venir mettre une lumière sur ce coin sombre de votre vie, parce que ça vous fait souffrir, parce que vous n'avez peut-être pas grand monde à qui en parler. Eh bien, aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, on veut justement prier pour cela et que vous ayez une délivrance. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je veux prier pour les hommes et les femmes célibataires qui vraiment ont des combats dans leur sexualité parce qu'ils souffrent et puis parce qu'ils se trouvent piégés par une addiction, qu'elle soit une addiction à la masturbation, ou bien une addiction à la pornographie, ou bien une autre, une addiction qui touche à la sphère de la sexualité. Je te prie, Seigneur, déjà d'aider ces personnes à réaliser qu'elles ne sont pas les seules, et que beaucoup d'autres sont comme elles, en train de souffrir dans un coin isolé par leur péché et isolé par l'adversaire de leur âme qui leur fait croire qu'elles sont les seules. Je te prie pour qu'il y ait un dialogue qui puisse s'établir avec des personnes de confiance, que tu puisses montrer à ces personnes autour d'elles un homme ou une femme qui est plus avancé, qui est plus mûr dans sa foi, que ce soit un homme pour les jeunes hommes et les hommes, une femme pour les femmes, mais tu leur montres d'un seul coup, que tu leur ouvres les yeux sur quelqu'un vis-à-vis de qui ils vont pouvoir être honnêtes et se livrer et dire voilà, j'ai un problème. Je te prie pour que dans les églises, des groupes de parole se créent au niveau des problèmes de sexualité. Parce que ce sont des problèmes qui sont tabous, et parce qu'ils sont tabous, on ne les aborde pas. On fait comme s'ils n'existaient pas, alors que ce sont des maladies qui dévorent l'intérieur du corps de Christ, de son Église. Et on veut aujourd'hui en parler pour pouvoir amener une guérison. Et en priant pour cela, je te prie pour qu'il y ait des guérisons. Amen. La parole se libère et que ceux et celles qui sont prisonniers de cela puissent être affranchis de ce problème, puissent trouver une guérison en toi et une guérison avec d'autres personnes autour d'elles qui vont parler avec elles, prier avec elles, combattre ensemble, partager des expériences de guérison, de délivrance et faire savoir à chacun qu'ils ou elles ne sont pas seuls dans leur combat, mais qu'ils sont entourés de frères et de sœurs qui ne les jugent pas, qui ne les condamnent pas, mais qui portent leur fardeau avec elles, comme tu nous l'enseignes dans l'Écriture. Amen, Jésus. Amen. Amen. Allez, parfois, on a parlé d'activité, et tu parlais de louange également. Oui. Parfois, on peut être dans un besoin particulier, on se sent faible. Oui. Le célibataire peut se sentir un peu faible. Et gloire à Dieu, maintenant, il y a des émissions qui sont disponibles. Ouais. Il y a de la louange disponible sur Internet, sur YouTube ou peu importe. En deux secondes, on peut être. Il y a peut-être un chant qui vous touche particulièrement. À chaque fois que vous l'entendez, ça vous rafraîchit. Il y a la présence de Dieu qui vient sur vous. Eh bien, peut-être mettez-le en favori. Oui. Et tout de suite, vous retournez dessus. Il y a l'émission Prière Inspirée si vous ne la connaissez pas. Tous les jours, je prie pour vous, on prie avec vous. Et tout de suite, ça peut vous amener dans. Voilà, à vous faire du bien et à vous fortifier, c'est important. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Et des fois, c'est le moment de prier aussi. Absolument. On en ressent ce besoin. Et en fait, ce n'est pas un besoin sexuel, c'est un besoin de prier. C'est vrai, c'est vrai. Comme les trois sont liés, l'âme, l'esprit et le corps, eh bien justement, sont comme des vases communicants. Et on peut, si le besoin, on a l'impression que c'est un besoin sexuel, on peut le compenser au niveau émotionnel en nourrissant de son âme avec des chants, et au niveau spirituel par la prière. Les vases communicants sont une aide incroyable, un cadeau de Dieu aussi, parce qu'on peut justement
compenser, canaliser avec le côté spirituel. C'est une clé importante. Dieu n'est pas choqué quand on va prier, dire « Seigneur, j'ai un besoin sexuel, ouais. tu me connais, je suis en danger de faire une bêtise, je ne veux pas la faire, aide-moi. » Et Dieu n'est pas choqué. Il sait très bien de ce avec quoi on combat. Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, et moi je pense sans créer un sacrilège, que Jésus a eu des tentations aussi au niveau sexuel, bien entendu. Il y avait des hommes et des femmes autour de lui qui connaissaient les mêmes problèmes, évidemment, qu'il les a connus. Sinon, quelle crédibilité aurait-il à ce niveau-là? Et moi, je crois que Jésus est crédible. Jésus nous aide dans notre sexualité, on peut lui en parler. Il est le créateur de nos corps, donc il sait comment on fonctionne. Et oui, on peut prier Jésus pour qu'il nous aide quand on a des combats au niveau de la tentation et afin de ne pas tomber. Si malheureusement on a fait un faux pas, on peut immédiatement venir vers lui. Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous délivrer. Mmh. Et ça, je trouve ça merveilleux, quoi. Ouais. Et ça, c'est super important aussi. Ouais. On va vous encourager à célébrer les périodes où vous avez la victoire, en fait. Parce que si d'un seul coup, vous prenez conscience de besoin de changer votre sexualité, de la canaliser, de l'amener à Dieu, en fait, ben, peut-être qu'au démarrage, vous allez vivre une journée sans pornographie. Mmh. Et hop, un accident. Ne vous lamentez pas parce qu'il y a eu un accident, célébrez une journée sans pornographie. C'est génial déjà. Pendant une journée, vous avez allumé une des émissions, vous avez chanté. Ok, on remet le compteur à zéro parce qu'il y a eu un accident. On remet le compteur à zéro et après, vous êtes parti pour peut-être deux jours, pour une semaine. Mmh. Vous célébrez ça. Et puis, vous allez voir que petit à petit, la durée va augmenter. Gloire en gloire. Ouais, exactement. C'est comme quand, si vous avez appris à faire du vélo quand vous étiez plus petit, le nombre de fois où on est tombé du vélo les premières fois, mais on ne s'est pas arrêté parce qu'on était par terre. Mmh. On s'est dit, mon objectif, c'est d'arriver à rouler sans les petits trous et d'arriver à être libre avec mon vélo. Et je crois que c'est vraiment cela. On va tomber de moins en moins quand on continue le combat et qu'on a vraiment soif d'y arriver. Et à un moment donné, vous pourrez être libre. Les addictions sexuelles sont des addictions qui sont profondes parce qu'elles touchent l'âme, le corps et l'esprit. Parce que la sexualité est d'abord spirituelle, émotionnelle et en dernier physique. Mais en même temps, on peut vivre une vie complètement délivrée d'une addiction sexuelle. Et ça, c'est possible. Et il faut le dire. Parce qu'elles sont tellement profondes et collantes, en quelque sorte, qu'on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Il faudra toujours être vigilant. Parce que l'addiction est basée sur un désir naturel qui est le désir de sexualité, qui est légitime à l'être humain, que Dieu veut et a placé en nous. Donc il faut toujours rester vigilant, mais on peut vivre une vie libre. Et ça, c'est un message d'espoir qu'il faut absolument donner. Mmh. Avant l'émission, vous parliez de personnes qui, des fois, bloquent leur sexualité en tant que célibataire. Ça m'a fait penser aux mormons. Bon, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais j'ai entendu parler comme d'un sous-vêtement qu'ils se mettent, qui est l'ensemble du corps, comme un garde-fou. C'est ça, c'est ça. Comment ça se passe pour ces gens qui bloquent? Comment on peut bloquer sa sexualité en tant que célibataire et qu'est-ce que ça peut créer après? Alors en fait, on a bien utilisé cette image-là. Quand on a une idée négative de la sexualité, qu'on crée un tabou, on essaye d'anesthésier cette zone-là de notre cœur, de notre corps. Et donc, on verrouille un maximum, c'est-à-dire qu'on s'empêche d'y penser. Quand on a des pulsions, on essaie de les contrôler. On essaie d'anesthésier cette partie de notre corps. C'est comme si on essayait de maintenir sous l'eau un ballon de voler plein d'air. Et donc, on va mettre beaucoup d'efforts à appuyer. On va y arriver un moment, ça va durer un moment. Et puis, la difficulté, c'est qu'un jour ou l'autre, le ballon, quand on lâche la pression, repart à l'inverse. Tant qu'on combat avec notre propre force, on va pouvoir le maintenir. Mais avec autant de pression qu'on a remis à combattre, quand on ne pourra plus, avec notre propre force, combattre contre le besoin, le ballon va repartir d'aussi fort. Voilà. Donc vraiment, cette suppression est dangereuse. Il faut accompagner la sexualité en faisant qu'elle s'exprime d'une manière saine et donc d'une manière qui est approuvée par Dieu. Quand on est célibataire, il n'y a pas d'acte sexuel qui soit possible. Mais on peut, comme on l'a expliqué, au travers du corps, l'exprimer différemment et compenser ce besoin d'une manière qui soit saine. Et puis, le drame, c'est quand on a réussi tellement bien à appuyer le ballon sur l'eau qu'on le dégonfle. Mmh. Et moi, ça me prend à peu près 1 à 2 ans pour aider une femme qui aura complètement éteint sa sexualité, si jamais elle se marie, pour la réactiver. C'est plus compliqué de réactiver une sexualité éteinte que de canaliser une sexualité qui est tombée dans une addiction, en fait. Mmh. Donc, le fait de dégonfler le ballon et de l'éteindre, c'est comme si on tuait une partie de notre corps et de ce que Dieu nous a donné. Remettre en route, c'est compliqué, c'est pas impossible, bien sûr. Ouais. Mais c'est plus difficile. Donc vraiment, nous, on veut vous encourager, les célibataires, à
honorer Dieu en canalisant l'énergie sexuelle. C'est un cadeau de Dieu. Aussi, un point important, on arrive presque à la fin de l'émission, c'est pas le but, c'est pas d'un jour de vous marier. Le but, c'est d'être dans le contentement, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, on se dit pas à la sexualité, je m'en occuperai quand enfin je serai mariée. C'est une erreur de penser ça. Je m'en occupe aujourd'hui. Je la canalise, j'apprends à glorifier Dieu aujourd'hui en tant que célibataire avec ma sexualité, parce que c'est un cadeau de Dieu que je lui donne en fait. Oui. Je canalise. Et comme ça, on arrive à être de façon holistique, entier, âme, corps et esprit, équilibré. J'aimerais, si c'est possible, lire deux versets qu'on trouve dans Matthieu, chapitre 6, les versets 33 et 34 qui nous disent « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. » Les célibataires, vous êtes de belles personnes, vous êtes complets. Et il ne vous manque pas 50% de vous. Vous êtes des êtres complets. Amen. Et à part entière et qui êtes beaux tels que vous êtes maintenant. Et si c'est le plan de Dieu que vous vous mariez, eh bien merci Seigneur. Si ça ne l'est pas, eh bien vous êtes tout suffisant à vous-même. Vous êtes complet déjà aujourd'hui. Mmh. De toute façon, quelqu'un qui ne se sent pas complet, qui rentre dans un mariage, n'amène pas une personne à 100%. Ouais. Donc de toute façon, ce serait une mauvaise idée de penser « je ne serai complet ou complète que si je me marie ». C'est un mensonge. Mmh. Vous êtes complet maintenant, vous êtes beau maintenant, et Dieu a votre journée maintenant et demain dans ses mains. Et je crois que c'est vraiment un appel à lui faire confiance par rapport à cela. Mais aujourd'hui, vaut la peine que vous investissiez en vous, sans tarder, et que vous réalisiez que vous êtes beau ou belle déjà tel que vous êtes aux yeux de Dieu maintenant, aujourd'hui. Et la sexualité fait déjà partie de qui l'on est. Encore une fois, on la canalise au niveau physique, mais c'est spirituel et émotionnel. C'est un cadeau de Dieu pour l'homme et la femme, oui, quel que soit son statut marital. Merci pour tous ces conseils. Je pense qu'il y a eu des révélations, des choses aussi étonnantes peut-être pour certains. Alors voilà, je vous encourage, vous pouvez réécouter l'émission sur mcitv.com, parce qu'il y a des choses qui ont été partagées vraiment importantes. Et partagez cette émission aussi à des célibataires autour de vous. Vous savez, par exemple, en tant que célibataire garçon, vous pouvez en parler avec des amis des fois c'est plus délicat. Mais si vous connaissez des gens autour de vous qui ont des problèmes, des défis, eh bien, partagez-leur cette belle découverte qu'on peut vivre cette sexualité, mais d'une bonne façon, divine, et ne pas se fermer, se braquer, entre guillemets, ou se mettre en colère contre Dieu, oui, par rapport à ça, mais voilà, pouvoir jouir de ce que Dieu nous a donné en toute paix, en toute joie. C'est ce qu'on veut déclarer sur vous, vraiment le royaume de Dieu, la paix, la joie, la justice de Dieu. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce partage. On va encore se retrouver demain. Oui, oui. Et on vous bénit dans le nom du Seigneur. Partagez l'émission autour de vous, à vos amis, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, l'université, dans le travail, voilà, ou même dans la maison de retraite. Allez-y. Il n'y a pas de souci. On vous bénit. On vous dit donc à demain dans Prière Inspirée. Vous êtes bénis au nom de Jésus, vous les célibataires. Amen. Amen.